C'est à la 44e minute et grâce à cette missile envoyée à plus de 20 mètres que Jonathan Mutyaila Kanama a donné la Super Coupe de l'entente urbaine de football de Kolwezi au FC Deluxe qui était face à Mutoshi Football Club ce samedi 17 août. Ça donne déjà une bonne suite de championnat. Nous sommes sûrs, nous sommes capables, nous allons livrer un bon championnat. Que tout le public de Kolwezi attend quelque chose de bien chez Deluxe. Ouais, jusque-là, nous entrons dans la première division pour le maintien. Et s'il y a d'autres équipes qui nous sous-estiment, là, on ferait encore mieux pour garder même parmi les trois premiers qu'on soit là. Le champion de la deuxième division la saison passée à l'entente urbaine de football de Kolwezi n'a pas forcé les choses pour venir à bout de Mutoshi, vainqueur de la division d'honneur à la dite entité la saison passée. Non mais c'est normal, nous on prépare notre équipe pour le championnat, pas pour... On a deux semaines, on a presque troisième semaine d'entraînement. Vous voyez même qu'il y a trop de nouveaux. Donc voilà, on voulait faire un petit test. Je suis surpris, c'est pour autant vous dire que peut-être le championnat sera très compétitif et à la longue. Ce match qui a opposé le premier en D1 et D2 la saison passée s'est ponctué par la cérémonie des remises des médailles et trophées par le commissaire en charge des sports et loisirs, Paulin Kalao Kapenz.